Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Comme prévu en off, j'ai fait quelques petits mouvements. J'ai cuisiné un peu, j'ai pas du tout pêché du coup. Et on s'est déplacé avec Alex. Et on va donc aller voir ça tout de suite en jeu. Donc on s'est déplacé ici. Alors du coup. Ils ont un peu faim, je les ai pas nourris. Bien évidemment, je les ai pas nourris, donc on a du gâteau en plus. On a des calamars frits. Je vais donner du café sucré. Je sais qu'il aime bien les remontants. On va en profiter, on fait un câlin. D'ailleurs, on va choisir une direction sur la carte, hein, ça va être plus pertinent. L'idée, c'est qu'on va passer chez Francis, voir si on peut vendre des choses. J'imagine que tu as faim également. Personne ne veut ma collation dégoûtante, hein, bien évidemment. Bah, je vais te donner de la salade. Et je vais te faire un câlin également. Ici, on a cuisiné du crab cake. J'essaye de dépiler les recettes en me posant la question, qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux mettre des crevettes avec ma farine. Parce que là j'ai mis du. J'ai mis un céphalopode pour avoir des calamars frits. Du poisson, j'ai eu du cake de poisson il me semble. Donc je dois pouvoir mettre. Le crab cake, je l'ai fait avec le crabe des neiges. Je suis pas sûre d'avoir fait des choses avec le mollusque et avec les crevettes. Alors, Francis, quelque chose de nouveau! Il a une nouvelle course pour nous. Alors déjà, vendre. On va pouvoir vendre tout ça. Les dioramas, les figurines, les vieux souliers. J'ai toujours pas trouvé quoi faire des coquilles vides, donc j'en garde un petit peu au cas où ça serve, mais globalement, voilà. La collation Burk-Burk. On la vend. Et le reste, on garde. Donc on a 69 bouteilles. Donc pas forcément besoin d'en acheter. On rachète pas nos cochonneries, bien évidemment. Donc la seule chose qui pourrait nous intéresser, c'est ces deux graines étranges. Et ben, allons-y. C'est parti. Alors au niveau des courses, il manque des poires. Ben oui, mon poirier est pas encore assez grand. Tarte aux pommes, soupe de nouilles. Ça pourrait être envisageable. Riz, feuilles de thé pour du grain de tournesol. Ah! J'ai plus beaucoup de thé, mais normalement j'ai à peu près ce qu'il faut pour le thé. Je vais prendre ça, poireau, je croule sous le poireau. Allez, je prends. Ça nous fait un petit peu de thunes. C'est largement mérité. Donc on a fait des crevettes tempura. Et je n'ai plus de farine, donc je vais arrêter ici le temps d'avoir de nouveau de la farine. Ce qui ne va pas tarder, hein, puisqu'on a la petite icône qui s'est mise sur nous. Ici, nos flamboyantes ne vont pas être prêtes à temps. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, le temps qu'on voyage, ça continue de pousser. Je pourrais faire du Guitar Hero pour les faire pousser plus vite.
C'est pas forcément mon délire, mais c'est vrai que ça fait longtemps, donc on va peut-être faire ça quand même. Alors par contre, il y a des gens que j'ai pas nourris depuis un petit bout de temps. Des gens qui s'appelleraient par exemple Astrid. Et que, du coup, je dois bien pouvoir lui donner quelque chose. Alors je me demandais si la cuisine du bistrot, elle aimerait pas. Non, pas plus. Elle a pêché pendant qu'il regardait pas. Eh bien, tant mieux, parce que nous, on sait pas pêcher. Merci Astrid d'avoir pêché. Alors, le Guitar Hero, je crois que je peux l'activer. Je l'active comment, le Guitar Hero? Musique, Y. Bah, sauf que Y, c'est aussi l'inventaire. Peut-être un pilon. Bah, ah non, faut peut-être que je choisisse la partition. Non. En tout cas, c'est pas Y. Ça, je suis sûr. Eh ben, bonne question, du coup. Je ne sais absolument pas comment je peux faire pour activer le Guitar Hero sans saveur. Parce que bon, il me dit quand même musique Y. Sauf que c'est le même que pour inventaire, donc... qui m'ouvre l'inventaire. Ah bah bonne question, je vais devoir creuser ça. Peut-être une astuce. Peut-être un... Je dirais pas jusqu'à dire un bug, mais un peu quand même. Donc notre flamboyante est pas prête. C'est pas grave. Oh oh! Ce moulin est impressionnant! Sais-tu comment on appelle un parti de maïs? Non, devine! Un épi! Ha 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 ha! Alors. On n'a pas de poudre de silice et de lingots de zinc pour faire la forge, la stalavache et le cellier. On a 16 000 donc. Grandir notre bateau, je prends. Et ce qu'on veut ici, c'est le destructeur de roches, donc il nous manque que deux flamboyantes. Et c'est la dernière taille de bateau, ou il y en a encore? Il y en a encore. Il y en a encore trois. Ici, ça sera le dernier niveau, et là, je crois que c'est le dernier niveau vraiment... je vais pas dire intéressant, mais en tout cas... Le plus bloquant, celui qui va nous permettre de naviguer un peu plus. Donc j'entends mes moutons, toujours pas pour les flamboyantes. Et ça me perturbe du coup vachement. Peut-être qu'il faut que je sélectionne. Bah non, je peux pas plus sélectionner. Ah, c'était un appui long.
Alors, on a toutes nos flamboyantes qui sont poussées. C'était l'objectif. On va mettre une graine étrange, un petit peu. On va mettre une flamboyante, on sait qu'on en a un petit peu besoin. Et je vais mettre par exemple de la laitue. On va monter ici, nourrir ce mouton probablement. Il a faim. On a dit qu'on avait plein de poireaux. C'est parfait. Ici, j'ai vu le petit symbole. J'ai du maïs, de la farine. Un peu de café. Je sais pas forcément ce que j'ai besoin. Je me suis pas forcément posé la question par rapport à ce que Francis demande. C'est peut-être une erreur. Je t'arrose en passant. Même si t'as pas soif, ça sera, ça te fait. On gère les moutons. J'ai dit j'ai plein de poireaux. Hop, il nous reste un mouton. Ici, si je suis logique, et que je suis pas trop bête, on a dit qu'on avait fait de la farine. Avec une pomme, ça donne une tarte aux pommes. Peut-être que de la farine avec avec une baie, ça donne une tarte aux baies. Faut que je regarde si j'ai un légume, un fruit, qui serait autre chose qu'une pomme, mais autre chose qu'une baie. Farine plus fruit de mer, ça donne pâté aux poissons. Farine plus crabe des neiges. Donc il y a peut-être des choses avec des poissons particuliers. Parce que ça, c'est pas juste du crabe, c'est du crabe des neiges. Farine plus légumes champignons. Farine plus homard, farine plus crevette, farine plus calamar. Il nous manque donc farine plus crevette, on a déjà fait. Poisson, on a déjà fait. Mollusque, on n'a pas fait. Farine plus mollusque. Ici, j'ai pas encore mes poires. Devrait pas tarder, hein. L'arbre a fini par pousser. Oh oh! Oh, mais tes cheveux! On dirait que quelqu'un est allé chez le bébé. La comprends-tu? À cause du mouton sur ton bateau. En tout cas. On va pouvoir prendre le destructeur de roche. C'est parti, donc ça va enfin nous débloquer le frêne, le zinc et peut-être la roche de comète. On va voir ça tout de suite. La poudre de silice également. C'est plutôt ce qu'on voulait. Donc on est content. Alors, il fait toujours trop noir pour naviguer. J'ai la petite notif avec du... avec du maïs grain. D'ailleurs, il n'y en a peut-être plus là. Je vais mettre de la farine de riz, même si je sais qu'il y a des recettes qui demandent de la farine de Paris. On va tester un peu tout ça.
Ici, on a des fruits. La question est, est-ce que les cerises sont des baies? Les cerises sont des fruits de verger, ce ne sont pas des baies, contrairement à ce qu'on récolte. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire une tarte à la cerise, selon toute vraisemblance. Ah, j'avais déjà cette recette, le pâté au poisson. Ok, donc ça a compté comme du poisson, mon céphalopode. Donc on a dit. Oh là là, j'ai 66 cerises. Ah oui. C'est plus que suffisant. Alors, avec tout ça. Ici, on a tout fait. On a fait le moulin à vent. On a fait un verger et un deuxième verger. Il nous manque le concasseur, le poulailler, planche de frêne, lingot de cuivre, lingot de cuivre. C'est acquis. Lingot de pulsar, quand ça se marrait. Et planche de frêne. On va pouvoir aller chercher ces choses-là. C'est plutôt cool. Normalement, on va pouvoir commencer à améliorer certaines choses. Donc, pas ici. Dans notre maison d'invité, normalement, on peut améliorer des choses avec de la flamboyante et du fil de lin. C'est parti. Et il me semble que à tulle, on peut pas non plus. Voilà, du frêne, du verre, on va pouvoir, mais le reste, on peut pas. Ça y est, il fait de nouveau le temps de naviguer. La nuit est passée. Et nous, eh ben, on va tout simplement reprendre le bus. Est-ce que je peux reprendre le bus? Ben non, vu que je n'ai pas débloqué les trajets de bus. Donc, on va. On va pouvoir passer par là, tout simplement. Est-ce que je ferais pas un petit détour par ici? Devrait passer dans les éclairs en plus, ce qui devrait être pas mal. C'est presque cuit. A-t-on une tarte aux cerises? J'ai une tarte aux cerises. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Sans doute une tarte aux fruits, aux légumes. Des légumes racines et des légumes baies. On pourra faire de la choucroute si on a un cellier. Pour l'instant, c'est pas le délire. Je pense qu'on est pas mal. J'ai oublié d'aller voir sur le wiki s'il y avait des petites choses qu'on pouvait faire avec un seul ingrédient. Oups. Ben, je vais faire une tarte aux poireaux, à mon avis ça va nous faire un simple pâté de légumes. Hop, on se met à l'eau. Et on va chercher nos caisses en passant. Un petit peu de loot supplémentaire. Ça paye pas de mine. Des graines de maïs, des graines de café. On va pouvoir nourrir tout le monde puisqu'on est une nouvelle journée. Et que, vu que ça fait un petit bout de temps qu'on les a pas nourris, ils doivent avoir un peu faim. Ah, Tulle, il aime tout, alors vraiment je peux lui donner n'importe quoi. Je vais lui donner du pâté au poisson. Et lui faire un câlin. Non, il a pas envie d'un câlin aujourd'hui. Alors, non, c'était Astrid que je voulais, à la fonderie. Elle n'a pas faim. Par contre, toi, aurais-tu faim? Tu as faim. Bah, je vais continuer à te bourrer de mollusques vapeur. Non, tu ne veux pas de mollusques vapeur. Effectivement, je t'en donnais il n'y a pas si longtemps. Donc, tu n'en veux pas. J'ai rien de... tu prends quoi?
Je sais pas du tout ce que t'aimes pas, en fait. Et je connais pas ton aliment favori. Je te donne ça? Non. Je dois te faire un câlin. Voilà. Je pouvais te parler, mais du coup j'ai loupé. On va faire l'orage électrique. Je pense que je peux pas du coup aller à ma cuisine, c'est ça. On va essayer de profiter au maximum aussi de ça. Pour pouvoir remonter plus facilement. Tout en haut, tant que je l'ai pas. Ça commence à être encombré ce bateau. J'ai l'escalier pile poil mal foutu. Hop. Des fois j'aime pas mes escaliers, c'est un peu relou. Mais les escaliers on les choisit pas. Donc. Oh. Ah. Ah, loupé. C'était la fin. C'est pas grave. Voilà. Donc simplement du pâté aux légumes. Ok. On va pas faire trop de fantaisie. Je vais mettre de la sucre pour avoir du charbon. Et finir de nourrir tout ce monde. Donc Atul, on l'a nourri. Je sais vraiment plus ce qu'il me faut. Je vais mettre du maïs. Pour pouvoir refaire de la farine de maïs. Giovanni, je ne t'ai pas nourri. Et j'ai de la cuisine. Ah, je me demande si t'aimes la cuisine exotique. Ah, merci Bambina. J'avais une faim de lion. Ha ha ha, une faim de lion. Elle était bonne. Je suis hilarant. Oh, cette pluie. Est-ce que ça cessera un jour? Donc il aime pas la pluie. N'a toujours pas de poire. Ah, viens ici. Trésor, regarde ces bijoux. Pour toi, Bambi. Non, 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 je ne t'explique pas comment. Chut, prends-les, c'est un cadeau. Je t'ai pas nourri du coup. Si, je t'ai nourri. Astrid, je veux te parler. Non, elle n'a pas à nous parler. Atul peut-être. On arrive au quai de South Point. C'était notre destination. Il est où, Atul? Ah, il était là. Atul! Je veux être sûr que t'as rien à me dire. Où tu vas, Atul? Non, t'as rien à me dire. C'est parfait. Hop. Bon, ici, ça va prendre bien son temps. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire au quai de South Point. Alors, de ce côté-là, il n'y a rien. De ce côté-là, il n'y a rien. Alors. Hé, gamine, viens m'aider. Il y a ce mec-là. Ne le regarde pas. Regarde-moi. Ouais, alors ce mec, il fait des misères. Il nous rend la vie difficile. Il fait merder toute notre opération. Je ne peux pas t'en dire plus.
Disons seulement que ce serait bien si cette personne prenait un peu de vacances. Tu comprends? J'ai besoin que tu t'occupes de lui. Pigé? Fais ça bien et sans histoire. Tu n'as l'air de rien, mais je le vois bien. Tu as les yeux d'une putain de tueuse. Voyons voir ce que tu peux faire. Ouais, devoir faire de l'intimidation. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, ok, relax. Attends une seconde. Est-ce que tes deux têtes brûlées t'ont demandé de m'intimider? Arrête de me regarder comme ça. Tu peux arrêter ton cinéma. Je peux pas dégager de ce boulot. J'ai des bouches à nourrir. Je vais pas laisser deux gros mecs me dire quoi faire. Ils sont pas subtils. Ils ont cherché aux alentours une personne pour les aider à envoyer des produits de contrebande sur les autres îles. Ça ne va pas marcher avec moi. Tu peux leur dire ce que tu veux. Je m'en fous. Invente quelque chose. Je sais pas quoi. Tu m'as dit que tu mangerais mes poissons rouges un par un jusqu'à ce que je flanche. T'aimes ça? J'en ai d'autres. En fait, je suis un écrivain dans mes temps libres. En tout cas, pourvu qu'ils descendent de ce quai et qu'ils passent à autre chose. D'accord? Bien. Mon patron m'a demandé de rentrer plus tôt ce matin. Ce trouduc n'est même pas là. Il est probablement pris dans un bouchon. Je vais aller me chercher un café ou un truc du genre. Regarde ça. Il tremble dans ses bottes. Quel lâche. Je ne pouvais pas voir d'ici. Mais qu'est-ce que tu as utilisé? La tangerine renversée. Un bon vieux coup de la corde raide. Ça ne fait rien. Il a l'air brisé. Tu as brisé cet homme, gamine. Et pour ça, tu as le privilège de nous faire faire un tour. Allons sur ton bateau. On a donc complété Intimidation pour les nuls. Je suis pas sûr que je voulais intimidationner pour les nuls, mais c'est pas grave. Ah, ici, on a du minerai. Et donc, ramasser du minerai, c'est cool. Voilà, du minerai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, du minerai. Du charbon, c'était pas forcément le truc méga essentiel. Mais ça fait quand même plaisir. Du minerai de fer. C'est toujours ça de prix. Hors de ma vue! Je travaille ici. Je mange le même sandwich tous les jours. Tant. Avec beaucoup de mayonnaise. Un peu de laitue sur du pain de blé entier. J'aime tellement ça. J'ajoute la laitue au dernier moment. Je veux ce crunch incroyable quand je mords dedans. Sais-tu? Où tu peux me trouver sur l'heure du lunch? C'est exact. Où je mange ce sandwich au thon. Rien de plus par ici. Et là, c'est la fin de la zone. Donc il y a l'air d'avoir possibilité de monter plus. Mais je vois pas forcément comment. On n'a pas de pouvoir pour faire monter ça. Ah, il y a ça. Comment je grimpe là? Je peux y arriver là avec mon seau? Ça me paraît compliqué avec juste mon seau. Non, ouais, il va me falloir ce pouvoir-là. Qu'on n'a pas encore. Un pouvoir qui va nous permettre de faire. De sauter à des hauteurs incroyables. D'ailleurs, on a combien de bols? Les obols sont pas là, les obols sont là. On en a plus. On a plus d'obols. Donc... Sortons d'ici. On va donc accueillir nos deux nouveaux esprits. Puisqu'ils sont deux.
On a des poires. Trop cool, on a des poires. Hé, hey, toi! Qu'est-ce que tu regardes? Alors, tu ne le regardes pas. C'est moi qui parle. Mon frère Mickey est du type silencieux. Si tu as une question, tu passes par moi. Capiche? Bon. Tu as fait du bon boulot en intimidant cet idiot. Facile. Mon frère ne croit pas que tu as assez de talent pour diriger ce bateau. On devrait peut-être seulement te le prendre. Ouais. Pense à ça. A plus. Donc on a le petit oiseau qui transporte son copain Buffle. Et on a des poires. On va pouvoir faire de la tarte aux poires. On va pouvoir faire des échanges avec Francis. Tout ceci est bien merveilleux. Non, ça n'avait pas besoin d'eau. Eh bien, c'est plutôt cool du coup tout ça. En plus, on est... on avance bien. Ce qu'on va pouvoir du coup explorer. Voilà, ces zones-là. On va pouvoir aller faire des choses avec de la pluie de comètes. Donc ici, il y a forcément des choses qu'on a loupées. Des minerais. On a récupéré l'esprit, c'est le plus important. On va doucement aller à Old Central District où on avait des choses à faire. Mais ça sera du coup pour le prochain épisode. Je pense que je vais aller en off jusqu'aux caisses. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !